Thomas Soto. Le Made in France avec vous, Anissa Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, vous avez une bonne nouvelle pour les travailleurs indépendants. Oui, ils vont pouvoir louer un beau bureau de banquier, ils vont pouvoir louer leur bureau et leur salle de réunion dans les agences bancaires pour travailler beaucoup plus confortablement qu'à la maison. Louer une salle de réunion de banquier, son bureau en acajou, bah c'est très bien pour faire des projets à plusieurs, hein, pour organiser des entretiens. Mmh. Là encore, c'est plus agréable, c'est beaucoup plus professionnel que de faire ça au café. Et en plus, c'est pas cher, 15 euros la demi-journée. C'est proposé par plusieurs banques, LCL, Société Générale, Banque Populaire, Groupama. Ça se passe à Bordeaux et sa région. Oh, la Gironde, 33. Ouais, on est d'accord, ce ne sont pas des agences abandonnées, elles sont encore en activité, Anissa. Oui, c'est le principe du partage de bureaux, hein, le coworking, comme on dit. Avec Internet et les applications, bah, on va de moins en moins dans les agences bancaires, donc elles se retrouvent avec pas mal de bureaux inoccupés. Les louer, bah, ça permet de les rentabiliser et de créer un petit peu d'animation dans leur agence. Et pour les auto-entrepreneurs, les télétravailleurs, les formateurs et même des étudiants, eh bien, ça leur permet d'avoir un espace de travail professionnel juste à côté de chez soi. Il y a quand même 5 millions de travailleurs indépendants itinérants en France et le nombre de freelance, comme on dit, est en train d'exploser. Mais alors, comment on fait pour réserver sa place? Moi, je vais aller travailler avec Julie pour la matinale de demain dans une banque. Comment on fait? Voilà. Mais en fait, ça se passe comme Airbnb ou comme Blablacar. Hein, donc, tout passe par une application, l'application Base 10 d'une jeune société bordelaise. C'est un ancien de l'immobilier d'entreprise qui l'a créé et ça marche, puisqu'aujourd'hui, il propose plusieurs milliers d'espaces de travail à louer et pas seulement des banques. On peut même aller travailler chez Europe 1, peut-être, s'il y a une salle de réunion libre. Mais nous, on n'a pas de salle de réunion libre. On est plutôt serré ici. C'est l'application Base 10 le chiffre, hein, qui permet de louer des bureaux inoccupés. C'est du Made in Bordeaux.